Merci de m'accueillir, ça fait plaisir parce que j'en ai vu quelques-uns. Lundi dernier, du 12 au 19 octobre, la Ligue de Taekwondo de La Réunion a eu la bonne idée d'inviter Ludovic Wo, 10 fois champion de France, 12 fois sur des podiums internationaux et mondiaux, très certainement ce qui se fait de mieux en métropole pour la préparation des athlètes de haut niveau dans cette discipline olympique. Un premier séjour à La Réunion, un constat encourageant et un objectif très ciblé. Je suis arrivé hier et ça m'a permis d'évaluer le potentiel technique des athlètes, des jeunes bien sûr, parce qu'aujourd'hui tout passe par les jeunes et leur formation. Et ça m'a permis de voir qu'au niveau technique, il y a un vrai travail au quotidien par les entraîneurs de club qui permet aujourd'hui d'avoir des athlètes relativement complets techniquement. Il y a un état d'esprit, une détermination qui fait que nos athlètes qu'on récupère sur les équipes nationales ont un profil particulier et qui nous intéresse dans le cadre d'un sport comme le taekwondo, un sport de combat. En effet, la venue d'un champion de ce niveau est donc une opportunité pour les cadres et les pratiquants d'actualiser leurs connaissances, notamment avec l'apparition du plastron électronique. Ça apporte une actualisation vis-à-vis des techniques de combat. Il faut savoir que dans les dernières années, il y a eu le passage systématique au plastron électronique par rapport au plastron classique. Donc il y a eu une adaptabilité des combattants à ce genre de protection, notamment pour le marquage des points, puisque le taekwondo en compétition, c'est un échange pied-point sur cible, en l'occurrence selon les catégories d'âge du casque jusqu'au plastron. En l'absence de Pôle Espoir à La Réunion, il est évident que la venue d'un tel champion est une chance pour le taekwondo pays, en espérant toutefois que cette opération sera pérennisée. Il y a eu à l'époque la mise en place d'un Pôle Espoir. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais je pense que ce genre de déplacement et de séminaire est intéressant aussi dans le cadre de la formation des entraîneurs, puisque l'objectif, c'est d'élever le niveau des entraîneurs de Lille pour qu'ils puissent, eux, prendre en charge la préparation des athlètes.